Tony Musulin vient d'être libéré après avoir été placé en garde à vue aujourd'hui à Londres. Il avait été interpellé avec près de 50 000 euros en liquide. Il a expliqué aux enquêteurs avoir vendu une Ferrari, mais l'origine de cet argent reste incertaine. Pardon. Souvenez-vous, c'est ce convoyeur de fonds devenu célèbre après le vol de plus de 11 millions d'euros en 2009 à Lyon. 2,5 millions d'euros restent toujours dans la nature.